Ce programme peut heurter tes petites oreilles de pucelle, alors si tu as moins de 16 ans et que tu as une ouïe de petite vierge effarouchée, il est fortement conseillé de quitter cette vidéo. Salut et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Viking Battle for Asgard. Je sais pas si on en est au 16e ou 17e épisode. En tout cas, ça truc de fou. Donc, on est arrivé là devant cette tour. Et puis, bah, écoutez ce que je vais faire. Déjà, d'une, c'est qu'ici, on pourra pas y aller. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de défourailler tout le monde là-dedans. Hein. De toute façon, attendez, il y a un petit problème là. Comment j'y vais là-dedans? Il y a une porte dérobée ou quoi? Attendez, c'est quoi ce délire là? Il m'a semblé que c'était ouvert ça tout à l'heure. Oh là là, ça va m'énerver ça. Là, ça va m'énerver. Attendez, je vais regarder une dernière fois. Ah, j'arrive à les toucher quand même hein, derrière. Ok, donc c'est... Je sais pas, apparemment on peut pas y aller, ça se trouve faut monter, affronter. Ah mais si, le pont là-haut, clochard. Oh là 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 là, putain. On n'a pas inventé l'eau chaude, hein, moi je vous le dis les gars. Le truc il est gros que... Oh là, attendez, je vais essayer déjà de le buter lui parce qu'il m'énerve. Avec la technique du zigzag. Hop hop, je suis là, je suis là-bas, je suis là, je suis là, je suis là-bas, je suis là mon copain. Eh, c'est cool, il est mort. Ouais. Par contre, toi, viens pas m'emmerder non plus. T'es mort ou pas mort? Non, il est pas mort. Faut que je le tue absolument. Parce que des fois, quand il... qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens là, putain. Parce que des fois, il suffit qu'il en reste un pour que le script il s'enclenche pas. Eh oui, les scripts, hein, on parle que de scripts en vérité dans les jeux. Tout est scripté. Hein. Ok, donc, putain, je trouve qu'il y a... je sais pas, c'est vachement... la couleur, le feu et tout, il est bien fait dans le jeu. Je veux dire, là, quand on voit la tour comme ça, avec les flammes, le brouillard et tout, c'est excellent, hein, c'est vraiment excellent. Donc, bah écoutez, hein, on va s'occuper. Toi, tu vas te faire une chute, mon copain. Tu vas rien comprendre. Je sais pas si ça va te faire crever, mais... Ah si, il est mort. Ça, c'est cool. Allez. Donc là, ici, on va monter tout de suite. Ensuite, on redescendra et on remontera. Ah, cool. Attendez, là, on doit être pas mal au niveau thune. Ouais, 7005, donc... Je pense qu'on va pas tarder à retourner acheter des combos. On va pas tarder, toi. Merde, là. Hop, c'est bon. Ah cool, la musique elle s'est mise en route. Musique à la Seigneur des Anneaux. Ah, il y a un coffre ici, cool. Allez. Ah merde, bah lui il m'a pas vu. Regardez là. Il est con. Complètement bugué le truc. Et moi ça m'a... Voilà. Ça m'a fait rentrer mes armes tellement il était pas une menace pour nous. Quoi. Allez. Combien le coffre il donne? Ah, objet, clé de la cave de la tour. Ah, d'accord. Ok, putain, j'aurais préféré des sous, hein, perso. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on va trouver 2-3 sacs là-bas. Mais tu fais quoi, ma couille? Oh, il était complètement buggé. Oh là là, putain, là, il y a un petit pôle quand même. On va faire attention. Où tu vas, toi? Reste par là. De toute façon, sur cette île, ils sont tous buggés, les mecs au bouclier. Ça doit être une souche d'handicapé mental. De clones handicapés mentaux, je sais pas d'où ils se sont servis, mais c'est pas normal. Allez,
tout le monde dégager de là. On va quand même récupérer cet orbe, même si on n'en a pas vraiment besoin. Petit finish, toi. Pour le style. Ouais. Donc on descend. Je peux descendre là? Ouais. Non, je veux pas descendre comme ça. Non, je veux pas monter. Je veux me battre. Voilà. Là, il y a un sac. Là, il y a un sac. C'est bon. Je crois que là, par contre, on n'aura plus de sac dans la tour. Peut-être compter sur une rue, une urne ou... Ouais, cool. Allez, vas-y, attaque. Oh merde, ça n'a pas marché là. Tiens, un petit coup de pied à la Bruce. Allez, encore un. Ouh, voilà. Allez, je bim. On va pas rester 3 jours non plus. Ok, donc la clé de la cave, ça va nous ouvrir où ici? Qu'est-ce qu'on a? La caverne d'Ali Baba. Je vois déjà des mecs qui dorment. Ah, c'est peut-être des prisonniers en vérité. Et ouais, c'est des prisonniers. Et moi, je les défonçais par la porte. Ah, ça c'est bon ça. Là, on est bon. Est-ce que je peux passer par là? D'accord, c'est pour ça qu'il y avait une grille. Qu'est-ce qu'ils ont les mecs? Je comprends pas trop. Ils ont un script assez chelou. Ouais, ils courent où? Ils courent vers... Attendez. Ah non, ils courent pour défoncer quelqu'un. Ouais, ou peut-être si... Ah ouais, si, oula, putain, oh le pauvre. Ça c'est lynchage en public. Oh, et il vient directement vers moi cet enfoiros, hein. Ah, t'as fait l'erreur de ta vie, ma couille, de faire ça. Voilà. Donc là, ils rangent leurs épées, sauvegarde en cours. Le ciel redevient plus clément. Et nous, on va pouvoir continuer notre route à Fullkeep. Pour en savoir plus sur Fullkeep, tu dois y aller enquêter sur ce village. Ok, mais ici, on n'y est pas allé. Ah si. Et là, libère 3 autres clans vikings, prépare ton arme. Ah ouais, ça va être là, la bataille finale, les amis. Apparemment, là, faut que je trouve les entrées de la grotte aussi. Hein. Ouais, donc ici, on va y aller. Apparemment, c'est par là. C'est la grande forteresse qu'il y a ici. Ouais, putain. Par contre, il va peut-être falloir que j'y aille. Par un chemin dérobé. Hein. Ici, ouais, non, attendez. Ouais, je suis allé par là. Je voulais juste voir si ça continue le chemin, je m'en souviens plus. Je suis pas sûr. Si, regardez, il y a une grotte. Avec des mecs à défoncer. Oh là là, putain, cette attaque, elle est meurtrière hein, quand elle est bien faite. Ok, alors, ah, c'est une simple grotte. Ouais, mais avec du people à l'intérieur. Sauvegarde en cours. Je l'avais pas vu, celui-là aussi. Alors là, apparemment, on n'en a plus. Allez, on est reparti. On est reparti. Alors, notre chemin, normalement, va nous mettre bon à tous les coups. Voilà, il va y avoir un chemin aléatoire. Pas aléatoire, qu'est-ce que je dis, moi? Ça se dit pas. Oh putain. Waouh, là, j'ai failli me mettre une pipe. Puis même là. Hein. Là, c'est chaud, je suis full vie. Ouais, je suis full vie, allez, en tente. Waouh, ça m'a enlevé que la moitié, c'est pas grave. Un chemin dérobé, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Cool. Ah merde, tain, j'aurais dû aller m'acheter une. Des combos. Ouais, dès qu'on en retrouve un truc, on y va. Alors, on en est où là? Ah si, je crois que je me rappelle d'ici. Si, je crois que je me rappelle d'ici. Ah, si. Putain, j'ai un vague souvenir. Alors toi, tu m'as pas vu. Mais non, t'es tout bugué, tu peux pas me voir. Putain, il s'est relevé l'enfoiros, hein. Oh, il se relève, mais putain, j'y crois pas. Ok.
va passer, je sais pas si on peut. C'est exactement ce que je pensais. Même Feldkiff n'a pas pu bloquer la progression de la Légion. Pourtant, les montagnes qui entourent la forteresse procurent à ceux qui l'occupent une force que même la Légion n'a pu vaincre. Certains de mes fidèles ont survécu, je sens leur présence. Va leur parler, mon champion, et profite de leur sagesse. Ok, d'abord je vais m'occuper d'eux. Là on est bon, je crois que toi tu m'as vu, tu m'as pas vu, ouais. C'est un espèce d'enfoiros. Voilà. Je sais pas si ça sert bien. Oh putain, je vois plein de sacs d'or. Ah, il y a trois lascars à libérer ici. Ouais. Ah merde. Oulala. Mais non, tu vas où? Il est de l'autre côté, Bernardo. Putain. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh, il y a un géant. Oh, il y a un putain de géant. Allez, vous, je sais pas si vous allez m'aider dans ma tâche. Je vais devoir affronter le colosse. Là, j'en ai rien à foutre. J'y vais. Qu'est-ce qu'il fout là tout seul? Ouh, apparemment, il est pas tout seul, non, non. Il est vraiment pas tout seul. Eux, ils m'ont pas vu. Est-ce que je peux l'avoir de là, lui? Oh, il a failli défoncer son collègue. Voilà, comme ça, toi. Ok. Oh merde, putain. Oh non. Oh le salopard, bien ouais. Oh putain, merde. Hop. Putain, pourtant j'esquive là. Ah, c'est bon, B. Y. X. Et on bourrait le A. À mon avis, va falloir que je le refasse, hein. Je suis un peu deg. Il est devenu ici direct. Parce qu'en fait, il garde une porte, mais la porte, j'ai pas les clés pour y aller. Donc à tous les coups, il va falloir que j'aille je sais pas où, on va me donner des clés, on va me demander de revenir ici, et eux, ils auront repop. À tous les coups, ça va se passer dans cet ordre-là, comme d'habitude, et je vais devoir me taper deux fois cet enfoiros, quoi. En espérant qu'il y ait une sauvegarde. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Ah si, X. On m'a peut-être donné quelque chose, alors. Une clé, je vais monter voir. Ah voilà, j'ai pas la clé, j'en étais sûr. Putain, ici apparemment je vois qu'il y a, putain, pourtant ça me l'indique pas. Regardez sur la map le trésor, ça me l'indique pas. Ah non, c'est un baril là, c'est normal. J'ai rien dit. Donc je pense que maintenant on va être OP pour aller prendre des combos et augmenter toutes nos runes à fond. Ici, je suis foutu, donc je sais pas. Apparemment, il est libéré du village. C'est pas la peine que je fasse tout chichi là. Je vais y aller directement. Mais il me semblait bien aussi si j'ai des souvenirs d'ici. Voilà. Ouais, donc je pense que je vais prendre par ici, non? Je peux? Ouais, je vais pouvoir par ici, je pense. Ouais, c'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu rébarbatif, hein. Je crois que c'était un peu le chapitre de trop, on va dire. Ça aurait été bien que ça s'arrête avant, ou bien qu'il diversifie un peu le gameplay, parce que là, à part faire en sorte que la tâche soit un peu plus dure pour nous, il faut rien d'autre, quoi. C'est exactement la même mécanique de gameplay. Ah, cool. Oh putain, par contre là, on a plein de sacs. Et c'est vraiment cool. Ouais. Je suis nul là pour deux sacs? Non. C'est une plaisanterie, j'espère. Ah si. Si, je suis venu là pour deux sacs. Je peux aller par là, non, je peux pas. Non, mais écoutez, je suis venu là pour deux putains de sacs.
Ok. Bon, bah, je mettrai toute cette partie à l'accélérer, ma foi. Hein. Commence à avoir l'habitude. Bon, c'est parti. Cette fois-ci, je prends la route principale. Là, je saute ici. Oh, allez, putain. Ouais, ça m'a pas l'air d'être une zone prise ici, donc d'après ce qu'elle m'a dit la vieille, apparemment, les mecs ils sont en pleine forme à l'intérieur, ils ont pas l'air d'être dominés par les forces de L. Alors c'est peut-être qu'on va aller leur demander simplement leur aide, et qu'ils accepteront que si on fait une certaine tâche, hein, comme on a l'habitude de faire depuis le début du jeu, genre, ouais, j'ai envie de chier, torche-moi le cul, sinon je vais pas être toi, quoi. Voilà, c'est à peu près ces gens-là, le discours. Voilà, donc là on arrive dans la cité. Ça a l'air pas mal ici. Non, vous allez pas me dire qu'ils me visent moi. Hein, je suis venu en paix, moi, les gars. Je suis venu en paix, les mecs. Faut pas vous énerver. Ouais, j'arrive, mais je crois que derrière toi, il y a... Ah non, c'est où? C'est dans la tour qu'il y a des trucs. Alors... La Syrie de la côte ouest est réputée pour fabriquer le meilleur équipement de siège à Midgar, Skarin. Utilise-le pour t'emparer de la forteresse. Ok, donc apparemment lui il m'a dit de récup je sais pas quoi. Va falloir apparemment que je parle à quelqu'un d'autre, sauvegarde en cours. Ça c'est cool, le mec il se trouve ici. Ah bah non c'est... Tu as fait un long chemin. Ah bah c'est la chamane. Alors je crois que tu mérites qu'est-ce qu'elle de fout connaître ici la vérité. Ta famille ne t'attend pas au Valhalla. Tu es un enfant trouvé, Skarin. La femme que tu considères comme ta mère t'a découvert dans les bois, alors même qu'elle allait enterrer son nouveau-né. Tu étais encore un bambin qui criait contre les éléments, contre la nature qui t'entourait. Elle t'a ramené au village et a parlé à mon père, le chaman. Il lui a dit de prendre soin de toi comme si tu étais son propre fils. Et que personne d'autre que lui ne connaîtrait jamais ce secret. J'étais encore une jeune fille à l'époque, mais je les ai entendus, et je n'ai pas oublié. As-tu vu le loup, Skarin ? L'as-tu vu se refléter dans tes propres yeux ? Il veut te parler. Tu dois regarder dans le feu. Tu trouveras des herbes sacrées dans la caverne, non loin d'ici. Lance-les dans la porte de feu, et découvre si le loup apparaît dans les flammes. Reviens me voir à la fin du rituel. Ouais, d'accord. La caverne, c'est celle-ci. Ok. Mais pour l'instant, on va se blinder. On va se blinder. On va prendre tout ce qui traîne dans son village. Apparemment, c'est ici. Bim. Apparemment, il y a quelque chose derrière ce mur. Là, ensuite, toi, je t'ai déjà parlé ou pas? Ah, j'avais pas vu ça. Cool. Non, apparemment, toi, je t'ai pas encore parlé. Si, si, je t'ai déjà parlé. Attends, on va voir. Es-tu rendu à la forge des géants, Skarin? On dit que son feu peut imprégner les arbres. Ouais, toi, tu parles un peu trop à mon goût. Ok, donc on prend ça. Je vois pas où... Où c'est qui serait l'autre? Ici? Ah, il est juste là. Et l'autre, il serait derrière ce mur, en fait. Ah, ici, ok. Donc, en thune, là, on est blindé, hein, je vous le dis direct. Regardez, on a 8000 et quelques. Bah, on va en profiter de ça pour aller rendre visite à notre professeur. El professeur. El professeur. Allez. Qui se trouve... ici, il est où? Ici, je crois, non? Non, attendez, attendez. C'était où, déjà? Ah, non, c'est celui-là que je dois... Ouais. Putain, c'est la distribution. Putain, il est loin, le truc, quand même. Ils ont abusé, ils auraient pu mettre un truc à côté. Putain, les mecs, ils te donnent la flemme d'y aller, quoi. Ok, putain, regardez-moi ça. Falloir que je fasse, moi je mettrais ça aussi en accéléré. Hein.
Mais sûrement. Ça doit être quoi, des défenses d'éléphant ou de mammouth, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, mais regardez, pourquoi il fait ça? Ok. Allez, on est back sur back, désolé. Donc allez, on y va, on achète tout ce qu'on peut acheter là et on se tire pour plus jamais y revenir. Je pense que ce sera les dernières techniques à acheter. Qui me dérange alors que j'étais ok. Comme là, ils auraient pu faire le contraire, vous voyez. Mettre les plus... Ouais, bon, bref, je dis n'importe quoi. Allez, on va prendre, ça s'appelle le destin d'Odin. Lors d'un saut, encore. Ah, d'accord. Ouh, ah ouais, là, ça commence à devenir... ah ouais. Tu as bien compris. C'est la même que les précédentes, mais maintenant, beaucoup plus puissante. Des crânes de la Légion. Ça, c'est cool. Ok, donc. J'ai gagné ma place au Valhalla. Maintenant, on va prendre celle à 4000. Hein. On se fait plaisir. On dépense sans compter. LB plus croix-croix. Allez. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain, il prend le glaive à deux mains, en fait. Tu maîtrises bien ce coup, guerrier. Ah ouais, le coup, il est puissant. Va, maintenant. Il est super on puissant, le coup, là. Peut-être au Valhalla. Mais il est vachement lent. Ça pourrait porter préjudice quand il y a plusieurs ennemis. Et puis, bah écoutez, bah, on va prendre la dernière. Qui est la frappe des Valkrai. 4 combos d'attaque plus X. Donc c'est... C'est 1, 2, 3. C'est ça? Non? Non, ça n'a pas marché. Hein. Attendez, 4 combos d'attaque. Ben, 1, 2, 3, 4. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est une droite. Tu es prometteur, guerrier. Avant, il mettait un coup de tête, là, mais une droite. Maintenant. Ok, donc on a tout acheté. Les mecs, on a tout acheté ici. C'est écrit quoi là? La reine des dieux, c'est... Ok, les mecs. Donc maintenant, rebelote, on repart. Au truc là en face. Hein. On dirait même un phallus. Hein. Une bite pour être poli. Je vais sauter là, je m'en fous. Ah merde, là ça pique. Là ça pique les mecs. C'est pas grave. À la rigueur, je vous dis, c'est... Ah attendez, bah ouais, c'est encore même mieux. Puisque... Il est où l'autre connard là qui on achète des trucs? Je crois qu'il est de l'autre côté. Ouais, je crois qu'il est de l'autre côté, attendez. Je crois que c'est... Il est là-bas. Donc là, on va essayer de monter nos runes à fond. Et puis, on se tire après. Hein. On va essayer de faire l'incantation. En quoi ma forge te serait-elle utile, Viking? Fais confiance. Voilà, on est au max. C'est ce que je dis toujours. On est tout au max, là. Combo et runes. Le magasin, l'autre, il est où? Non, il est pas là. Il est pas là. Ah, il est carrément là-bas. Ouais, ok, de toute façon, on n'a pas besoin d'y aller. On va prendre le portail de téléportation. Et on va se tirer. Bim. Allez. Donc, c'était ici. Ok. Maintenant, elle veut que j'aille à la caverne. On va aller à la caverne. Ma foi. Arrivé au port de Felkep. Donc on va devoir baisser le pont, non? Hein, je crois bien. Ah non, même pas, si. Je comprends pas pourquoi il y a un truc comme as. Non, sérieusement, ils sont sérieux, les mecs. Ah, attendez. Apparemment, on peut lui parler. Le chaman Astar m'a dit qu'elle t'avait confié une mission et que je ne devais pas te laisser passer avant que tu ne l'aies terminée. J'ai peur d'elle plus que de toi, Ascarine. Ah, espèce de petite tafiole, ouais. Bah ok, bah écoutez, ouais, bah là, putain, il va falloir que je me retape tout en sens contraire. Ah, ils sont un peu chiants, là, je trouve ça, c'est pour rajouter de la durée de jeu, mais tout ce qu'ils rajoutent, c'est de la haine, c'est tout. C'est de la haine du jeu. Y a pas un truc à proximité, même pas.
Ok, les trucs sont de plus en plus loin, là faut courir dans le vent. C'est pour ça que j'ai jamais pu rester longtemps sur les GTA, les trucs comme ça, ça me gave. Il y a qu'un une franchise qui m'a fait rester un peu longtemps. C'est la franchise des Elder Scrolls, quoi. Oblivion, je crois que j'ai passé 220 heures dessus, il me semble. Un truc comme ça, même un peu plus. Fallout aussi, j'ai passé, je crois, un truc comme 180 heures, un truc dans le genre. Et Skyrim, 150 à peu près, voilà. J'ai de plus en plus de mal à y rester aussi sur les jeux comme ça. Faut vraiment que ça m'intéresse. Mais bon. À la rigueur, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Ah, mais c'était ça, la grotte, en fait. Oh, mais je suis con. Putain, je suis con. Et là, je présume que si je saute, je meurs. Ouais, je crois quoi. Bah écoutez, on va y aller par là-bas, comme on est arrivé. Je vous avais dit que c'était même pas la peine que j'aille là-bas, en fait. En espérant qu'ils ont pas repop, quoi. Là, c'est chaud aussi pour moi. Si je saute, je pense. On va quand même attendre qu'on soit un peu moins haut. On a comme ici par exemple. Oh regardez, oh c'était juste, putain ouais là, il a du mal. Regardez-moi ces rampes, comme une merde le Skyrim. Ah ouais là tu dois avoir les genoux écorchés mon gars. Ouais apparemment ça a pas repop. Les ennemis qui étaient là n'ont pas repop et ça c'est cool. On va aller dans la grotte, en fait c'est comme si on préparait notre arme je pense, non? Ça doit être un truc dans le genre. Mais regardez les distances que je parcours quoi. Ah ça me garde de faire ça, je vous dis la vérité. De toute façon, ça j'y couperai sûrement. Voilà comme là on a déjà vu ça dans le combat avant, j'y couperai, je me mettrai là. Au moins vous savez d'où je viens quoi. Allez, c'est parti. Ce qui nous OB pour ouvrir. Ok. Ah, là, on va voir quelque chose. Ah. Oh, regardez comment ils l'ont foutu. Ah, il est tout pépouze. Et en plus, il a même pas un crâne d'Homo sapiens. Hein. Il a un crâne de Néandertal, non? Vous trouvez pas? Puis voilà les chicots qu'il a. Hein. Oh là là. Ah ouais putain, oh, attendez j'avais pas vu qu'il y avait un truc là. Attendez je vais aller d'abord là. Oh il y a tout ce qu'il faut ici. Pour se mettre bien mais de toute façon ouais si. À la rigueur pour acheter les des potions de vie en fait. Ah, ah bah l'herbe sacrée, ah ouais. C'est juste pour ça l'herbe sacrée. Je dois pas aller quelque part là. Oh, y a un mur invisible. Ouais, ok, et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, donc apparemment, il y a une autre grotte ici. Ah, putain, j'aurais peut-être pu glisser là, non? Je sais pas, non. Ouais, mais par où? Je pouvais pas y passer, par là? Putain mais par où il va falloir que j'aille là. Wow, ça va être super loin en fait les mecs. Oh là là. Attendez ouais là va falloir que je reprenne. Ah ouais putain ça va être super long. Là ça me gare hein, je vous le dis franchement. Là ils ont pas assuré de faire un truc comme ça. Là, j'avais complètement oublié que c'était comme ça. Genre on va chercher une herbe là. Déjà tu fais 200 km pour aller la trouver. Une fois que t'as l'herbe tu fais 500 km pour aller la poser dans un trou. Et une fois que tu l'as posée dans le trou t'as le rituel. Et après faut faire 800 km pour retourner voir dire pour que t'as bien, parce que t'as bien fait le rituel et compagnie quoi. Là ils ont chié dans la soupe les mecs hein, sérieusement. Là pour moi c'est pas bon hein, de jouer comme ça là. Là je me souviens vraiment plus de ça. Vous voyez je vous dis j'aime bien le jeu en général. Mais là non là j'aime plus. Au début c'était assez moins rébarbatif que ça quoi. Là c'est complètement rébarbatif. Là voilà en fait je suis gavé. Là j'ai qu'une envie c'est que. Que le jeu s'arrête quoi, que je le finisse en fait. J'ai même pas envie de continuer l'aventure. Voilà, ça m'a saoulé. Je suis sur le bon chemin, ouais, apparemment je vais pouvoir m'aventurer entre les deux trucs là. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ah, ouais, si, je suis sur le bon chemin. Allez, normalement on devrait avoir une entrée. Une petite entrée de grotte pas très loin là. Ah non, putain, c'est vachement plus loin que ça là. Je suis pas sûr que je sois parti dans la bonne direction. Ah non, je suis pas parti dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Là, tout le monde a repop. Hein. Du moins, je suis pas sûr de. Tu vois, mon champion, la forteresse de Hell se dresse devant nous.
Ah, c'est ça la forteresse de elle. Son cœur putride battant du désir de voir Asgard tomber et Midgard passer sous sa gouverne. Nous devons l'en empêcher, impérativement. Enlève cette abomination de ma buse, Karin. Mets fin à cette guerre. Ok, pour quelqu'un de gentil, t'es bien méchante. Je trouve quand même. Oh putain, regardez, vous avez vu ça, la nouvelle attaque là? Comment ça les déboîte? Regardez-moi ça, ils sont éparpillés. Aux quatre coins de Paris, façon puzzle. Moi, je sais même pas si c'était bien ça qu'ils disaient dans le film. Attendez, ouais. Enlève-moi cette abomination de ma vue, c'est ça l'abomination? Abobine. Putain, abobo. Oh là là! Cette abomination? Attendez, elle m'a parlé, de toute façon ça doit être écrit là. Non. Abomination. Ah, abomination. Putain, j'ai plus parlé les mecs! J'aurais mieux d'aller consulter un orthophoniste, oui, ça ira plus vite. Hein. La fumée, un assez bon rendu. C'est assez bien fait, mais j'ai comme l'impression que c'est simplement des images, en fait, qui montent et qui disparaissent. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Elle bouge pas, la fumée, je veux dire. Elle se mou. Putain, oh là là, j'arrête de parler, allez. Quand c'est comme ça, faut arrêter. Ok, donc là c'est bon, vous allez pouvoir... Hop, ici je peux y aller. Ouais, si, je veux pouvoir y aller, mais bon, ça serait pas le... Et là c'est quoi là? Ah oui, c'est Pierre des Dragons. Tu dois demander... Ouais, donc je crois que je suis... Oh là, ils m'ont pas vu. Personne m'a vu, mais par contre ils regardent bien par là, donc... Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'handicapé? Aïe, 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 aïe. Ah, c'est l'entrée de la grotte, on y est, les mecs. On y est. Du moins, je crois. Non, je suis pas sûr. Si? On est où, là? Ah, si, c'est bien ici. Ah, cool. Je pourrais éventuellement... Ah merde, allez, je vais te pousser dans la lave, toi. Toi, je vais faire pareil. À part... Non, toi, j'ai envie de te tuer avec du style. Voilà. Allez, je bim. Waouh. Ça pique, hein. Et on va... Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils faisaient tous là, en fait. Ah, c'est le puits, non? Non, c'est pas là, le puits. Non, c'est pas encore là. Non, c'est pas encore là, apparemment. Ça va être un truc dans le genre. Oh, lui il m'a pas vu. L'autre il m'a toujours pas vu. Ok, ça c'est cool. Y'a quelqu'un d'autre ici? Non, apparemment y'a personne. Putain, je suis en train de louper plein de sacs par contre. Et ça m'énerve. Ouais, donc. Elle doit être sur plusieurs étages. Là-bas, donc je vais bien vous faire regarder la fumée pour que vous compreniez ce que je voulais vous dire. Ah, mais je pouvais passer en fait, je crois, directement ici. Ah, ouais, il y a un petit truc à la sournoise sur le côté. Ah, ok, putain, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, c'est juste assez joli là, la cascade. Ah, regardez les yeux. Ah, ça va être sûrement ici. Waouh, putain, j'ai rasé le. Le précipice. Ok. Putain, j'ai l'impression qu'il nous regarde là. Fait penser un peu au royaume d'Amalur aussi, c'est. Ces trucs. Est-ce que je suis. Ouais, si normalement je suis bon là. Ça va être sûrement ici, puis.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Rien. Ah voilà, il faut que je me mette là. On va jeter l'anneau. Allez, c'est parti. Ok. Donc, Oh, j'allais me chercher à boire en même temps, j'arrive. Désolé, hein, je suis allé me chercher à boire. Ouais, minable. La cinématique, là, je sais pas, on est venu là pour ça, quoi. Et là, il va falloir retourner voir la vieille, donc je présume. Retourne parler à la chamane. Ok, par contre, cette fois-ci. Ah, c'est quoi ça? Le menhir te permet de voyager? Ben ouais. Ok, hop. Des fois, je vous dis, hein, vaut mieux faire ça. Voilà, vous mourrez. Vous réatterrissez ici. Vous appuyez sur B et vous allez directement voir. Merde. Vous allez directement voir qui de droit. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite que de jonger le sol, de parcourir toute la map ou quoi que ce soit. Fenrir. Fenrir a parlé. Je vois sa marque sur toi, qui brûle dans tes yeux. Il t'a dit comment battre elle. Comment tu dois façonner l'arme qui tuera les dieux, n'est-ce pas? Prends la route de l'ouest, vers la caverne du géant, Skarine, et trouve la forge. Tu y verras ce que tu dois faire. Des dragons! Des dragons! On a besoin de plus de dragons, Skarine! Tu as bien fait d'aller chercher l'aide d'Ari et de Kelda. Toutefois, l'amulette des dragons n'est pas encore complète. Le troisième joyau, Mjolnir, il contient une force comparable à celle du marteau de Thor. Il m'appelle jusque dans cet endroit corrompu. Mjolnir est intact, Skarine. Et il est proche, si proche. Il se trouve dans les montagnes, au nord. Lorsque tu auras réuni Mjolnir avec Ugin et Mugin dans l'amulette des dragons, alors tu devras te rendre dans un endroit sacré pour ces anciennes créatures et appeler le dernier des dragons. Eh ben, tout ça pour ça, de nouvelles indisponibles. Va chercher Mjolnir, Skarine. Ok. Donc apparemment, il va falloir reconstituer l'amulette qui se trouve ici. Donc maintenant, c'est rebelote. Ouais. Par contre, cette fois-ci... Oh putain, ouais, là, il y a du people. Ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais retourner par là, les amis. Hein. Non, apparemment, non. Apparemment, je vais être obligé d'y aller par là. Attendez. J'ai peur de pas pouvoir y aller, là. Attendez. Je crois que maintenant le mec il nous a ouvert le pont. Il va nous ouvrir le pont donc on pourra y aller par le pont en fait. On va pas se prendre la tête hein. Donc maintenant qu'on a accompli notre tâche, normalement il devrait nous laisser passer lui, non? Ah, je pense. Ouais. Non, attends, j'espère qu'il va pas me dire qu'il peut pas, je sais pas quoi. Hein. Ah bah voilà, vous avez vu? Ça, c'est cool. Je te laisse passer, Skarine. En espérant que... Ouais, bah c'était ça où je t'embrocherais le fion avec mon glaive, là. Parce qu'il y en avait marre, là, tu me laisses pas passer, là. C'est moi qui sauve le cul à tout l'Empire et y a personne qui m'écoute dans la baraque, là. Allez, donc, on va déjà... Oh non, putain, il y a le jacteur, là. Faut que je fasse attention... Il y a tout un village à... Ah là, elle a jacté, c'est bon. Oh là là, putain, mais ouais. Utiliser avec parcimonie, comme j'ai dit tout à l'heure. Oh yeah, yeah, regardez-moi cette attaque de ouf. Allez, je bim. Voilà, allez hop. Et merde. Oh là là, ça m'énerve. Tiens. Tiens, espèce d'enfoiré.
Hop, je vais prendre ça. Maintenant, je fais ça. Oh putain, c'est vachement efficace, hein, les mecs. Putain, c'était vachement efficace, cette attaque. Je vais récupérer des trucs. La glace, c'est infernal. Bah, je devrais quand même peut-être jouer un peu avec autre chose. Non? Pour vous faire voir un peu ce que ça vaut. Bon, on a vu l'électricité, il n'y a pas grand chose. Merde, putain, c'est l'autre qui m'a vu là-bas. Merde, non. Ah, fais chier. Ah, j'avais pas vu derrière. Oulala, oulala. Ah, je suis pas bien là, les mecs. Je suis vraiment pas bien. Ah, ils me laissent pas frapper, ces enfoirés. Waouh, attendez, il y a une orbe verte. Ah, putain, il y avait une orbe verte. Ah, j'aurais peut-être dû. Ils ont dû tous repop, ces enfoirés. Ouais, c'est clair. C'est clair et net. Je vois quelque chose là-bas, qu'est-ce que c'est? J'y ferai après. Donc lui, cet enfoiré, voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une hache, en fait, pour lui planter entre les deux yeux à cet enfoiré. Mais je veux pas le faire. Je vais essayer de l'aborder un peu plus intelligemment. Là, le problème, c'est que lui va me voir. Il me voit pas. Voilà, déjà une bonne chose de faite. Voilà. Oh putain, bien joué. Oh putain, mais regardez-moi ça. Oh aïe aïe aïe, comme il me déboîte cet enfoiré. Putain, ça se voit qu'on approche la fin du jeu, je vous le dis, moi. Allez, toi déjà, il n'y a plus personne. Allez, on peut pas. Regardez-moi ça. Oh, bien joué, franchement, comment il me baise. Oh putain, ils sont super puissants. Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est cool. Oh merde, putain, il y en a un autre. Oh, mais je vais mourir à cause d'eux, quoi. Je joue vraiment comme une merde là. Allez, prends-moi ça. Je pars pas assez, je pars pas assez. J'ai trop pris la confiance, en fait. Voilà, regardez, je pars jamais. Apparemment, il y a un truc là-bas. Putain, regardez-moi ça. C'est plus balèze que ça en a l'air. Mais bon, ça ressemble un petit peu à la carrière de tout à l'heure. Donc, je vais y aller doucement. Ok, lui il m'a pas vu, j'ai acteur. Ah si, il m'a vu. Espèce d'enfoiré. Ok, t'as jacté, puis t'as tout le monde est arrivé. Apparemment personne m'a vu aussi, c'est peut-être assez cool. Si, peut-être à part lui, mais il est bugué jusqu'au trou de balle, hein, vous voyez bien. Tiens, enfoiré. Putain, des fois on les tue avec un coup, des fois il en faut 50, je comprends pas. Oh là là, putain, celle-là tu l'as pas volée, espèce d'enfoirose. Oh joli. Oh, lui m'a bien baisé. Allez, je bim, finish pour terminer. Vous. Allez. Ah, c'est bon, Nordor les. Libéré, ça c'est plutôt cool. Allez, dégagez là que je prenne mes deux orbes rouges. Ah, elles se sont barrées. Ah, je suis deg. Bon, apparemment ici il n'y a plus de. Il y a plus. Ah, il s'énerve un peu là. On va essayer quand même d'assainir la zone. On va commencer par lui qui m'a pas vu, je crois pas. Et je bim, allez, tiens. Ah, regardez, putain, là on voit bien tous les menhirs.
Lui, je crois qu'il m'a pas vu non plus, là. Si, là, il m'a vu. Allez, va jouer par là-bas. Et toi, c'est pareil. Allez, dégage. Est-ce qu'on arrive... Ah, on arrive à l'entrée de notre grotte. Allez, on est parti. Respecte le sol que tu foules, Scarine. C'est le berceau de la race des dragons. Lorsque les œufs des dragons ont éclos dans le centre de Midgar, les dragons ont dû se frayer un chemin à travers les rochers pour atteindre la surface. C'est dans cette caverne que le dragon Boltor a émergé sur Midgar. De tous les sites sacrés des dragons, celui-ci est le plus important. Il abrite le plus ancien joyau des dragons. Trouve-le, Scarine, et invoque les dragons pour qu'ils se battent une fois de plus. Ok, donc là, apparemment, on est dans le sanctuaire des dragons. Putain, mais cette attaque, elle est surpuissante. Allez. Voilà, il serait quand même... compte se brûler les 2-3 poils du cul qui doit nous rester. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Là, on a... Ok. Il nous a vu? Non, je crois pas, il nous a pas vu. Bim. Ça, c'est cool. Ouais, vu que de toute façon, on a tout machiné, qu'on a tout upgradé à fond, les runes et les combos, j'irai m'acheter plein de... du moins plein des potions de revigorantes, là, pour la bataille, on sait jamais. Ok, donc lui, il est dead. Ah, j'avais pas vu. Hop, embrochage. Allez, donne-moi ça, ouais. On a notre barre de mana qui commence à... à être bien rempli. Je crois que j'ai loupé un ou deux sacs derrière moi. Hop, ça c'est fait. Ça aussi. Jbim, putain, cette attaque, elle est vraiment meurtrière. Comme toutes les autres, mais bon, celle-ci, elle pulvérise, quoi. Oh merde. Bon, vous, allez, bah, venez. J'ai une petite surprise pour vous. Allez, je bim, descends. Oh, il y a un balèze en dessous, putain. Allez. Je bim, il est mort. Ouais, cool. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, putain, on a un chaman. C'est cool, je vais le défoncer avant qu'il fasse réapparaître tout le monde. Oh, merde. Oh, l'enfoiré! Oh putain, joli! Cool. Oh putain, j'en ai marre qui... Ces trucs, c'est vachement mal fait. Hein. Jbim. J'aime bien son truc à capuchon. Donc là, il faudra une clé qu'on aura sûrement en battant un enculé en bas. Ok, donc là, on a libéré un peu la zone. Apparemment, le chaman, il nous posera plus trop de problèmes. Niveau vie, ouais, j'ai été mieux, mais bon, ça va quand même. Ah, un coffre. C'est peut-être là où il y a la clé. Ah non, il y a de l'or. Ok. 730 d'or. Ouais. Attendez, je sais pas. Oh putain. Oh putain, je l'ai défoncé. Hop, j'ai reçu clé de la caverne. Alors je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou je me bats d'abord contre ces... Ah non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, je crois, d'y aller. Ah ouais, je peux pas descendre. Ah, c'est peut-être l'accès, en fait, à... au truc, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, si, ça doit être ça, en fait. C'est ce qui nous donnera accès en bas.
bien que... Si, je viens de là-bas. Si, c'est bon. Je vois une jarre déjà en bas. Ça fera toujours un peu de thunes à prendre. Allez, où ? Ok. En tout cas, il a une manière bien spécifique d'ouvrir les portes, ce qui est Scarine. Ça n'a pas changé depuis la première porte qu'on a ouverte dans le jeu. C'est toujours la même. La même animation. Ils se sont pas pris la tête, quoi. Ok, donc là, on va pouvoir passer par là. Toi, tu m'as vu, ouais. De toute façon, que tu me voyais ou que tu me voyais pas, c'est la même chose. Oh, bien joué. Ok. Donc avant de me faire défoncer, je vais quand même prendre la jarre. Avec 362 thunes. Il y a un autre coffre là-bas. Lui, il m'a pas vu. S'il m'a vu. Non, il m'a pas... S'il m'avait pas vu, en fait. Le gros, il vient vers moi. Bah vas-y, viens. Je vais te faire tomber, là, moi. J'en suis sûr qu'il peut tomber, en plus. Qu'est-ce qu'on a, là? Hop, j'ai reçu. Ah, il était là. Ah, j'ai même pas besoin de le battre, quoi. Ah ok, mais bon, je vais quand même y aller, moi je m'en fous. Oh, il m'a pas vu, mais qu'est-ce qu'il fait, il est tout bugué. Regarde-moi ça. Y. Croix. Et allons bouger. Ah, faut peut-être le tuer avant pour que ça libère la grotte. Ok. Allez, deuxième cotine. Grec. Allez, on bourrine le A. Et puis là, le pauvre, ben, il me fait presque de la peine, là, je vous le dis franchement. Eh merde. B. A. Grec. X et on devient là. Faut que je fasse attention parce que. Bim. Qu'est-ce que ça nous a donné? Rien du tout, hein, de toute façon. Sauvegarde en cours, il m'a dit. Donc là, apparemment, la grotte devrait être plutôt pas mal. Voilà, cet endroit n'a plus de secret pour toi, guerrier. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de ressortir de là. Et. Vous voyez, maintenant c'est des allers-retours, quoi. Vous voyez, ils auraient pu quand même mettre un menhir ici. Non, c'est un aller-retour simple, quoi. Voilà, maintenant je vais devoir tout me retaper dans le sens inverse, c'est ça. Apparemment. Ah non, il y aurait peut-être une sortie. Non, c'est une entrée là. Alors, attendez que je dise pas de conneries. Je vais quand même aller voir, ça m'intrigue. Okay. Ah si, si. Ah, j'ai failli passer à côté. Ouh là là, putain, il y a des espèces de trucs de quartz. Putain, faire attention, ça, mais c'est bien piquant. Ah cool, ça nous a remis juste là. Ah, et puis en plus, il y a des gars à libérer. Ok, allez, barrez-vous. Ah putain, j'avais même pas vu. Merde. Ah, c'est là que ça nous ramène. Ah ok, j'avais pas compris. Ok. Ah d'accord. Ah si, ça va, c'est bien pensé. Donc maintenant, c'est la forge des géants. Les outils des géants permettent de travailler l'acier. Ici, il y a un campement. Ok, donc on va mettre un marqueur là et on va y aller. Attendez, je vais voir si à combien j'en suis. Pas que ça fasse une vidéo non plus de... Hein, trop grande. 1h03 si je compte... Ah bah écoutez, on va s'arrêter là et on va reprendre après.